Bonjour et bienvenue à la médiathèque Pierre Fanlac. Nous allons vous présenter deux contes de Noël pour petits et grands. Pour commencer, plantons le décor. Nous sommes à la veille de Noël, au cœur d'une forêt. Lou souhaite inviter ses voisins pour un repas de fête. Seulement voilà, il n'est pas très apprécié, donc y parviendra-t-il? La réponse nous est donnée par un auteur-illustrateur de Dieu aux éditions Seuil Jeunesse, un Noël pour le loup. Quelques jours avant Noël, pendant cette période où tout conflit est interdit, la forêt entière se remplissait d'une intense activité. Chacun, sans peur, préparait ce jour de paix. Du creux des arbres sortaient de délicieux fumées. Des parfums de gâteaux embaumaient les bosquets et les sucreries s'accumulaient. On se confectionnait de beaux habits, on décorait son logis. Seul, un loup errait, triste et solitaire. Lui n'avait jamais goûté au repas de famille, ni aux traditionnels échanges de cadeaux. Lorsqu'il croisa le grand-duc, le loup lui dit: « Je vais organiser un grand festin auquel j'inviterai mes principaux voisins. Qu'en penses-tu, grand-duc ?»« Loup, j'ai peur que tu ne sois déçu. Difficile de faire oublier ta réputation. » Alors, pour se faire pardonner, le loup se mit au travail. D'abord, il eut la finesse de ne froisser personne, de composer un menu sans aucune viande provenant de ses invités. Poularde, coquelets et poissons seraient l'essentiel du dîner. Chacun aurait le choix d'une pâtisserie maison, spécialement agrémentée de sa friandise préférée. Tarte aux noix pour l'écureuil, aux glands pour le marcassin et, bien sûr, plateau de fromage pour les mulots. Pour tous, il avait prévu un cadeau. Il s'était longuement appliqué à marquer le nom de chacun sur l'étiquette et n'avait rien laissé au hasard. La réception serait parfaite. La date du festin fut fixée pour le déjeuner du jour de Noël. La nouvelle fit le tour de tous les arbres et de tous les terriers. Et Noël arriva. Dès les premières heures du jour, le loup dressa la table pour ce repas de fête. Couverts, chandeliers, serviettes. Midi sonna. Le loup dressait l'oreille pour mieux deviner qui serait le premier de ses invités. Puis, une heure sonna au clocher au loin. « Mes convives sont en retard, » remarqua le loup, un peu inquiet. Puis, deux coups de cloche marquèrent l'heure. Le loup s'impatientait. Les plats refroidissaient, le vin congelé, le soufflet était depuis longtemps retombé. Les voisins animaux de loin observaient la scène, mais pas un n'approchait. Ils craignaient un piège. Le loup qui les avait aperçus eut soudain une idée. Faire comme si. Il s'installa à la place réservée aux lièvres et marqua sa surprise quand il vit le paquet cadeau qui lui était destiné. Avec empressement, il dénoua le nœud du paquet et découvrit un magnifique chapeau avec deux trous pour les oreilles. « Loup, ce cadeau est magnifique, » dit-il en regardant le bout de la table déserte. « J'en suis très ému. » « Comment sais-tu que je crains le soleil ? » ?»« C'est une très touchante attention. » Puis d'un bond, il gagna le bout de la table et répondit « Lièvre, je suis ravi que ce cadeau te plaise et comblé par un si bon voisinage. » Le lièvre, qui de loin observait la scène, eut un léger frisson. Il cria « Merci !» en sa direction. Ensuite, le loup prit place devant le cadeau qui portait l'étiquette « Blaireau ».« Quelle bonne surprise que ces mitaines !» dit-il en s'adressant à la chaise vide du bout de la table. « Tu sais combien je suis frileux !» D'un bond, il regagna sa place. « Blaireau, dit-il, je suis ravi que ce cadeau te plaise. Ta présence à mes côtés me remplit d'aise. » Le blaireau, qui n'avait pas raté un mot de l'échange, laissa échapper un soupir et cria en direction du loup « Merci !»
Et ainsi de suite. Le loup fut remercié par le sanglier pour ce gros pullover en laine, par l'écureuil pour ses lunettes de ski et par la fouine pour des bougies parfumées. Quand tous les cadeaux furent ouverts, le banquet débuta dans les rires et la bonne humeur, s'éternisant jusqu'au bout de la nuit. Du côté des observateurs, on ne s'était nourri que de regrets et de soupirs. Le lendemain, le loup croisa le grand-duc. « Alors, loup, comment s'est passé ce banquet ?»« Fort bien, dit le loup, les convives étaient tous ravis de leurs cadeaux. »« Et toi, loup, que t'ont-ils offert ?» Le loup eut un moment d'hésitation, puis respira un bon coup pour réprimer un sanglot. Ils m'ont fait le cadeau de leur présence. Et c'est déjà beaucoup. Vivement Noël prochain, que je leur serre la main. 1, 2, 3, notre histoire se termine là. Bonjour tout le monde, nous allons enchaîner donc avec un second conte que je vous propose, Souriceau et la nuit de Noël, de Tracy Gorderoy, avec les illustrations de Sarah Massini aux éditions du Père Castor. C'était la nuit de Noël. Dans la maison, tout dormait. Plus rien ne bougeait. Plus un bruit. Pas même un grignotis de souris. Pourtant, au pied de la pendule, une petite porte s'entrouvrait tout doucement, laissant passer un ray de lumière. Et bientôt, par la fente, apparut un petit museau, puis deux yeux qui brillaient et de minuscules pattes roses. Dans la maison, tout dormait, peut-être, mais certainement pas Souriceau. À pas de velours, Souriceau trottina jusqu'au grand sapin. Il était tout décoré de guirlandes et de boules dorées, mais surtout... Oh, il y a déjà des cadeaux sous les branches, s'émerveilla Souriceau. Si seulement j'avais un ami à qui offrir des cadeaux. Puis il leva le nez et n'en crut pas ses yeux. Oh, et cette étoile tout en haut, comme elle brille! Souriceau avait entendu dire que les étoiles exauçaient les vœux. Mais était-ce bien vrai? Même pour un vœu de petite souris. Il décida de tenter sa chance. Il grimpa en haut du sapin et dans l'oreille de l'étoile, il chuchota un tout petit vœu. C'est alors qu'un grand fracas le fit sursauter. Ça venait du jardin. Vite, Souriceau se précipita dehors pour voir ce qui se passait. Là, caché derrière un pot de fleurs, il poussa un petit cri. Mais c'est le Père Noël ! Misère ! Que lui arrive-t-il ? Le Père Noël frissonnait dans sa barbe. « Oh, quelle bourrasque, mes bons reines, quelle bourrasque ! Je suis navrée de vous le dire, mais nous voilà perdus. » Au milieu des tourbillons de neige, il s'assura que ses reines étaient tous là. « Tornade ? Parfait. Danseur, c'est bon. Furie ? Aussi. Fringant, Cupidon ? Tonnerre, éclair, comète, oui, ouf, mais qu'est-ce que je vois là ? Le Père Noël se tut net et se pencha en avant. Qui es-tu, petit ? Demanda-t-il. Moi ? Oh, juste une petite souris, bafouilla Souriceau. Bonsoir, monsieur. Dis-moi, reprit le Père Noël. « Quelqu'un a fait un vœu à l'instant. C'était toi ?»« Oui, » répondit Souriceau tout heureux. « Je viens d'en faire un. » Puis il réfléchit. « Vous êtes perdu, Père Noël ? Mais alors, les enfants ne trouveront rien sous le sapin au réveil ?» Souriceau réfléchit encore et il s'écria. « J'ai une idée. Je connais très bien le quartier. J'y trottine souvent, vous savez, quand je me sens seule. Je peux vous servir de guide, si vous voulez. » Pour toute réponse, le Père Noël prit Souriceau dans ses grandes mains et le percha sur son traîneau. Une seconde plus tard, il volait déjà en plein ciel. Et dans le clair de lune, parmi les flocons de neige, Souriceau montra le chemin au-dessus des rues de la ville. Que c'était drôle de distribuer des cadeaux et d'en remplir les souliers qui attendaient là, sous le sapin,
Souriceau aidait le Père Noël en silence, en faisant très attention à ne pas se tromper, à ne rien froisser. On aurait dit qu'il avait fait ça toute sa vie. Quand le dernier cadeau fut distribué, le Père Noël dit « Je vais devoir te quitter maintenant, Souriceau. Il me tarde de rentrer chez moi pour retrouver mon lit. » Souriceau se retint de pleurer. « Dommage, murmura-t-il. C'était si bon d'être avec vous et avec vos reines, comme sont des amis. » Le Père Noël regarda la neige qui étincelait sur les toits de la ville. « Je reviendrai, promit-il, pour Noël prochain, à la même heure. Mais en attendant, Souriceau, tu as fait un vœu, je ne l'ai pas oublié. » Et il tendit à Souriceau un tout petit paquet orné d'un gros nœud rouge. Souriceau déballa son cadeau en hâte. « Oh » fit-il ravi, « des patins à glace, qu'ils sont beaux !»« Mais pourquoi quatre ? Je ne vais pas patiner à quatre pattes. » Le Père Noël sourit dans sa barbe. « J'ai ça pour toi en plus, regarde. C'est une carte. Suis le chemin qu'elle indique et tu comprendras. »« Le chemin va me mener à mon vœu ?» demanda Souriceau. Le Père Noël eut un petit rire. « Si j'étais toi, j'essaierai pour voir. » Et dans un grand « ho, ho, ho », il fit décoller son traîneau. « Va vite, Souriceau, le matin de Noël n'est plus très loin. » Et ouf, l'instant d'après, l'attelage n'était qu'une traînée de lumière dans le ciel étoilé. Et Souriceau agitait sa petite patte pour un grand au revoir. Souriceau suivit le chemin indiqué sur la carte. Le chemin zigzaguait, à gauche, à droite. Ma parole, il traversait la ville entière. Après avoir bien serpenté, le chemin aboutit au parc. Et pour finir, au pied d'un arbre, là, sur une branche enneigée, Souriceau vit un petit oiseau qui gonflait ses plumes pour se tenir chaud et qui le regardait avec des yeux tout ronds. « Oh !» pépia l'oiseau. « Tu ne serais pas l'ami que j'ai demandé dans un vœu ?»« Un ami ?» s'écria Souriceau. « Mais moi aussi j'ai demandé un ami dans un vœu. » Et il brandit l'une des paires de patins. « Joyeux Noël à toi, oiseau !» Et voilà comment, il y a bien longtemps, au lieu de passer la nuit de Noël tout seul au creux d'une vieille pendule, Souriceau la passa à patiner dans le parc avec Oiseau. Et tous deux tournoyèrent sur la glace jusqu'à ce que le ciel sombre devienne bleu. De nouveaux amis unis par le même vœu exaucé. L'équipe de la médiathèque Pierrefonds-Lac vous souhaite de très bonnes fêtes. Et un joyeux Noël.